Bonjour mes danseurs, j'espère que vous allez bien, vous me manquez beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait longtemps maintenant qu'on ne s'est pas vus. Bon, les petites vidéos c'est bien, mais j'ai l'impression que vous êtes loin, 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 loin de moi. J'espère qu'on va vite se retrouver. Je vous fais une nouvelle petite vidéo pour vos échauffements à la maison. On va travailler un petit peu différemment. On va commencer debout, vous allez voir, vous connaissez un petit peu, hein. Pour les lucioles ça va peut-être être encore un petit peu compliqué, mais c'est pas grave, vous essayez, si vous tombez vous recommencez, vous allez voir. Ce qu'il faut c'est bien bien se grandir, bien tirer sur son dos, bien tirer sur ses jambes pour essayer d'être le plus grande possible et le plus grand possible. Et comme ça normalement les exercices sont plus faciles. On y va ? Grandissez-vous, baissez vos épaules.
On tire sur son dos, on pointe ses pieds, on serre ses genoux, on serre ses chevilles, on serre ses pieds. Vous vous souvenez de tout, hein? Allez, tirez sur vos bras. Grandissez votre dos. Les flex pointes. Et flex. Pointe. Tirez de sur vos pieds. Flex. Pointe. Encore. Tirez sur vos petits pieds, vous pointez tout ça. Remets les mains derrière.
les bras en première. Rangez-moi vos petits pouces. Ouvrez les bras à la seconde pour les coccinelles et les papillons. Les lucioles et les éphémères, vous gardez vos petites mains à la taille. C'est plus simple. On met un pied devant. On essaie d'ouvrir ses orteils sur le côté. On pousse, on se grandit. Hop là! Attention, c'est difficile, il y a la jambe qui est pointée derrière. Et on referme tout. Première position. J'ai plus de tapis, c'est fini. Hop, il y a trop de vent. Super mes chats. Allez mes loulous, le dernier exercice pour aujourd'hui. On ferme ses pieds en sixième position, on relâche ses bras le long du corps. On ferme son petit ventre, on le rentre, on le rentre, on le rentre. On essaye, on tire son dos, on se grandit, on baisse ses épaules. La position du danseur, vous connaissez. Hein. On met ses mains à la taille. On va faire des demi-pointes et des pointes. Et demi-pointes. Dépose. Demi-pointes. Dépose. L'autre jambe. Vos positions, première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième, toutes les positions que vous connaissez. Vous pouvez essayer la petite pose sirène, à droite, à gauche, pour ceux qui s'en souviennent, la position quatrième, au sol, hein, je parle, hein. La quatrième position, vous vous souvenez, c'est comme la pose sirène, sauf que on ouvre ses genoux, il y a une jambe devant, une jambe derrière. On essaie d'être très écarté, à droite et à gauche, ok? Et puis ensuite, vous demandez à maman de vous mettre votre chanson préférée et vous dansez dans l'espace comme vous avez envie.
tout ce que vous avez envie de faire dans votre petite tête, vous le faites. Il faut que ça reste de la danse, il faut que ça reste en rapport avec votre musique. Vous vous souvenez de toutes ces règles-là, il faut faire attention à l'espace. Mais une fois que vous avez mis votre musique préférée, vous dansez partout, partout, partout et vous allez vous voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu et on se reverra très très vite pour une autre vidéo. Je vous embrasse mes chats, bisous !